Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo Vide Grenier Live de ce samedi. Après, on verra ce que j'en ferai le dimanche. Et peut-être je ferai plutôt les boutiques après, je verrai bien. Donc, déjà, je vais vous proposer un vide grenier le samedi matin. J'en ai repéré un dimanche vers le. Vers convention aussi, comme celle de la semaine dernière, mais c'est dans une autre zone, je crois, de la brocante. Il y a à peu près 300 exposants. On verra bien s'il y a des choses. Est-ce qu'on va arriver? Il va être déballé le beau compte. Comme d'habitude, Paris, c'est comme ça. Voilà, les amis, je vais peut-être être accompagné avec mon pote Serial Gamer. Donc, normalement, je l'ai contacté. J'ai dit qu'il y a une brocante. Si t'es intéressé, viens avec moi. Et puis, il m'a dit qu'il fera avec moi la brocante. Voilà. Et puis, en plus, il a des jeux à me vendre. Et j'ai hâte de les avoir. Et je lui ferai de l'argent. Parce que j'ai rien à lui proposer à l'échange, malheureusement. Il m'a dit, ah, pas de problème, pas de souci. Voilà, donc je vais avoir des petits jeux de sa part et je les achète. Voilà, donc ça me fera un petit bonus sur le compte rendu s'il y en a. Et de toute façon, après le vide-grenier, si je trouve rien, de toute façon, j'ai de l'argent pour faire les boutiques dans l'après-midi. Donc j'irai après dans le mi de l'après-midi, de toute façon. Voilà, allez, je vous dis à toutes. Amis, donc voilà, on a convention, donc je fais un petit vide grenier avec mon ami, ça me fait plaisir de le revoir. Ouais, c'est une semaine déjà. Bon, c'est parti, on verra bien, on sait pas trop si c'est pour compte. Moi, c'est juste en mode tranquille, hein. Comme j'ai dit au début de la vidéo. Allez, je vous dis à tous. Les amis, voilà, on est arrivé, on a trop enfin trouvé la brocante, on a un peu tourné en rond, désolé. Du coup, ils sont en train de déballer, normalement ça commence à 6h du matin. Vous savez que Paris, ils prennent leur temps, donc, du coup, on verra bien. On verra bien ce qu'on trouvera avec 300 exposants. J'espère qu'on arrive avant les chineurs, on va dire. Allez, c'est parti. Les amis, donc j'ai pas trouvé grand chose. Mais par contre, je suis avec, Mickey Nerson qui est juste là. Et il est là. Et du coup, regarde ce qu'il a trouvé avec Mickey Nerson. Lui, il a trouvé deux jeux de Wii. Ils étaient à 10€ sous blister. Blister avec lui. Et du coup, tu les as pris pour quelqu'un que tu voulais les offrir. Pour Mickey aussi, t'as aidé. Voilà, du coup, ça le fera plaisir. Et puis tu t'es trouvé des cartes Pokémon à 20aine d'euros, un pack pas mal de cartes, ouais c'est ça. Une BD, enfin ouais c'est ça, il est très joli. Et puis il a trouvé un lecteur, un CD, ou disque. J'espère qu'il fonctionne. On verra. Voilà, moi j'ai tout de suite trouvé des DVD qui vendaient au début 3€ et maintenant ils vendaient à 10 balles. Alors coup de bol, je l'ai eu à 3€ un coffret. Voilà les amis, je vous dis à... Je vais voir s'il y aura d'autres images pour d'autres, peut-être les boutiques cet après-midi, comme je vous ai dit. Donc si j'ai le temps, voilà. Sinon il y aura des brocantes demain, je vais voir. Les amis, donc je retourne l'après-midi. Donc je vais faire un petit cache à converteur. Cache converteur, donc je ne l'ai jamais fait. Je vais essayer de vous filmer ça et puis je couperai avec de la musique par-dessus. Parce qu'il y a la musique à l'intérieur, les droits d'auteur, donc je vais faire attention. Donc je vais faire un petit montage, donc je vais vous faire visiter ce petit magasin. Cache converteur, voilà. C'est parti, j'espère qu'il y aura des choses à voir. À tout.
voilà, j'espère que ces petites images vous auront plu. Donc je vais aller à la République, je vais aller faire un petit tour, je suis pas très loin. Donc ça va, j'ai trouvé des petites choses, c'est pas ouf, mais bon. Je suis content, j'ai trouvé un jeu de PS4 que je recherchais, pour pas trop cher, ça va. J'ai trouvé du rétro gaming, j'ai trouvé une cartouche Game Boy que je trouvais pas trop cher, ça va encore, 10€ ça passe. Et un jeu Super Nintendo qui était pas trop cher, donc à 5€. Voilà. Et puis j'ai pris de la PS2, j'ai trouvé un jeu. L'autre, malheureusement, il n'y avait pas de CD, mais c'est pas très grave, c'est un jeu de sport. Mais j'ai trouvé un Naruto que la dernière fois que Miminet Game n'avait trouvé. Et ben là, je l'ai retrouvé sur le cache. Dans le cache, quoi. Dans les cache converteurs. Donc voilà, j'ai fait une petite découverte sur ce petit cache. Ouais, c'est pas ouf, mais ça faisait longtemps, je vous ai pas fait une vidéo. Ouais, à part c'était à la base un vide grenier live, mais bon. Je mettrai vide grenier live de la loose, au pire, de toute façon, ça sera. De toute façon, je sais pas trop. J'ai trouvé qu'un seul truc à la brocante, de toute manière. Voilà, et de toute façon il me reste des sous sur moi et demain j'en ai encore, peut-être si je suis motivé faire une brocante comme je vous ai dit, sinon bah c'est pas très grave, je garderai pour la semaine prochaine de toute façon s'il reste des sous. Voilà les amis, donc je vais aller à République, donc si je vous filme je vous filmerai, sinon on se retrouve pour le compte rendu. À toutes. Donc je vais faire un petit tour à Trader Game cet après-midi, je vais voir ce qu'il y a. Il me reste quoi, 35€ joueur sur moi, donc je vais voir ce que je vais trouver. Allez, go. J'espère que je pourrai avoir utilisé mes points de promotion. Mais j'ai eu ma carte, j'ai des promotions. Donc si j'arrive à avoir un jeu à 20 balles, je pourrais avoir une réduction. Voilà. À tout. Le jeu le plus cher sur PS2. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. 1 500€. Re les amis. Donc c'est parti pour le compte rendu. Alors du coup, vide grenier, j'ai trouvé qu'un seul truc. Malheureusement, donc la brocante de ce samedi a été un peu la loose. Vous avez dû voir que, mon avis, Sierra Game a trouvé des super jeux. Et Nicky Nerson, bon, je ne vous ai pas montré ces images. Mais bon, il a trouvé une petite console vraiment sympa. Je sais pas si je le trouverai sur internet, mais ou je le mettrai en montage. Mais franchement, 10 balles, la petite console, en fait, c'est une petite console qui permet de. Il y a des émulateurs rétro gaming dedans et c'est vraiment sympa et c'est vraiment en bon état, la boîte et tout. Et puis il a pris deux jeux de Wii, il a pris un Mario et un Donkey Kong. Donc voilà, en blister aussi comme les Zelda que Sierra Game a trouvé. Voilà les amis, donc j'ai acheté des petits jeux, il m'a trouvé des jeux, j'avais rien à lui proposer. Alors du coup à la place de l'échange, je lui ai acheté deux cartouches, voilà. Ensuite, j'ai jeté quand même un DVD en vide-grenier. J'ai trouvé qu'un seul truc qui m'intéressait. Après, j'étais, vous allez voir dans les images du live, j'étais à Cash Converter, donc un petit cache que je m'en souviens pas de l'avoir fait dans mes anciennes vidéos. Donc j'ai pu vous faire un petit live en musique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps, je vous ai pas fait un petit live dans un magasin. Et ensuite j'étais à Trader Game et après j'étais à Retro Gameplay aussi. Après j'ai pas filmé, mais j'ai filmé juste vite fait Trader Game. Et puis je vous ai montré le jeu PS2 le plus cher du monde. Je fais une anecdote. Alors vous pensez que Hollow Froze c'est le jeu le plus dur, le plus cher et le plus rare? Et ben trompez-vous, parce que le jeu que je vous ai montré en vidéo, c'est encore plus cher et encore plus rare. Donc c'est une rumeur les amis, le Hall of Rose il n'est pas si rare que ça et il n'est pas aussi cher que ce que vous imaginez. Là ce que vous avez vu, 1 500 balles, voilà, c'est carrément le prix d'un jeu Neo Geo, donc voilà. C'est une anecdote. Voilà les amis, donc je vous fais le compte rendu aussi face caméra, je vous montrerai des cartouches carrément, donc je vais voilà. Donc voilà tout ça, alors tout ça c'est à tout ce qu'il y a là dedans, c'est ce que j'ai acheté à Cash Converter. Voilà, et voilà, je vais trier et le reste c'est ça. Tac, ça, ça et ça. Voilà. Voilà les amis, donc du coup je vais faire ça à la fin les cartouches, je vous les montrerai à la fin. J'ai essayé de faire de petits montages aussi. Voilà. Voilà les amis. Donc les cartouches, on les met là. Et en plus, il y a de la Game Boy, il y a de la Super Nintendo et de la Mega Drive en loose. Vous allez voir. Et de la PS2 les amis. Donc, je suis très content de vous faire montrer les PS2. Voilà les amis, donc on va commencer par le vide grenier les amis. Donc ça sera rapide.
J'ai trouvé un DVD. Alors, je vous explique, dans le vide-grenier, j'ai pas filmé tout à l'heure. Mais il y avait un mec qui vendait des. Dans son camion, il y avait un plein de sacs poubelles avec plein de DVD. Des DVD, des bouquins manga, il y avait des bouquins normaux, des conneries comme ça. Il y avait aussi des DVD. Alors, j'ai eu la chance, ce DVD-là, je l'ai eu à 3 euros, mais après, la dame, je sais pas, d'un seul coup, elle nous a dit 10 euros. Elle disait à Nicky Larson et à d'autres, et même des gens qui cherchaient des trucs. Et je parlais même avec des gens. Et franchement, abusé, quoi, le prix. Donc, j'ai eu de la chance, ce DVD-là, je l'ai eu à 3 euros. Coup de bol. Donc voilà, j'ai rentré un animé. Je sais qu'il y en a pas mal de ce genre de manga. Donc je suis content, un petit gold édition. Voilà, que j'avais pas dans la collection des animés. Donc franchement, j'ai vérifié, il était en bon état et complet. Voilà, je vous montre rapidement. Voilà, il y a tous les CD. J'ai tout vérifié, il est en bon état. Hein, franchement, ça c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc je sais pas si ça suit. Bref, je suis content. Il y a 11 épisodes à l'intérieur avec un livre. Voilà. 3 euros en vide-grenier. On était dans le 15e arrondissement. Voilà pour ce maigre rentrée vide-grenier live. Enfin, vide-grenier live, il n'y a pas eu d'image du coup. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter des jeux que j'ai trouvé à Cash Converter. Donc là, je vous présente deux jeux. Un jeu de PS2. Et un jeu de PS4. Après, tout à l'heure, je vous montrerai les cartouches. Ce que j'ai rentré à cash et autres. Alors, en PS2, là, j'ai le petit ticket. Donc, avec la cartouche, ça m'a coûté 30 euros. Pile poil. Donc, tout ce que j'ai rentré, ça m'a fait 30 euros. Alors, on va commencer par un petit jeu de PS2. Donc, récemment, je l'avais vu en vide-grenier avec Miminet Game la semaine dernière. Et là, je l'ai retrouvé. Le petit Naruto Ultimate 5, très content, celui-là je l'avais pas, et en plus il était à 2 euros, les amis, c'est super cool. Je l'ai encore eu moins cher qu'on avait trouvé en vide-grenier, et en plus complet, les amis, voilà, et le CD est en très bon état. Bon, franchement, je suis content. Voilà, donc franchement, un petit jeu de PS2 qui rentre dans le full set, ça fait plaisir. Je vous en montre quelques jeux qui rentre dans la collection, et il est en tout en français, donc c'est génial, nickel. Allez, 2 euros les amis, ça mange pas de pain, et ça c'est cool. Après, j'ai trouvé un jeu de PS4, j'ai mis quand même 11,99€, mais franchement je suis hyper content, parce que finalement je voulais vraiment me le prendre, ce jeu là. Donc j'ai pris un jeu pour la collection, et bien sûr le full set Star Wars, le Star Wars Fallen Order. Enfin, je vais pouvoir dès que j'ai le temps, je vais pouvoir l'essayer, ce Star Wars. Apparemment, Shirley m'a dit il y a 15 heures de jeu à peu près. On verra. Donc il y a une histoire à suivre avec le personnage principal qui sera Jagged. Donc 11,99€, donc 12 euros. Donc ça va, c'est correct, je trouve. Et en plus, à l'intérieur, il y avait de la publicité et la notice qui est vraiment là. Et en plus, la boîte en bon état et le CD, franchement, rien à dire. Que je crache de doigts. Voilà. Donc 12 euros quoi. Franchement, je trouve que c'était correct. Donc je suis content. Je ne l'ai pas trouvé trop cher. Et en bon état en plus. Donc je suis hyper content. Donc voilà, un petit jeu de PS4. Voilà, un petit jeu récent. Voilà. Celui-là, je le voulais absolument. Parce que celui-là, apparemment, il a l'air super sympa. Il est court, mais il est super. En plus, il y a Dark Vador, il y a tout. Il y a une belle histoire apparemment. Et on incarne un Jedi. Et même des Jedi, je crois. Donc c'est une nouveauté sur voilà pour moi. 12 euros, ça fait plaisir. Voilà, ensuite je montrerai après celle du cash, le jeu de rétro. Ensuite j'étais à full set, à Trader Game. Alors à Trader Game, il y a le ticket de caisse. Je vous expliquerai dès que je vous montrerai le jeu rétro tout à l'heure. Alors déjà, j'ai eu une réduction, je vous explique. Alors, j'ai pris un jeu de PS4 à 15 euros, PS2 à 15 euros, et j'ai pris une cartouche Mega Drive qui à la base était à 10 euros, et je l'ai eu gratuitement parce que j'ai eu des points de cette carte-là. Du coup, les amis, je suis hyper content. Je l'ai eu gratuit,
Et en plus, ce jeu-là, il est hyper rare, enfin hyper cher. Donc je vais voir si je ferai un montage tout à l'heure. Enfin, dans le montage de la vidéo, j'essaierai de trouver le prix correct de l'original, vous verrez bien. Bref, voilà, donc vous voyez, je vous montre rapidement qu'il était à 15 euros le jeu de PS2 et 0 voilà, le jeu Mega Drive. Voilà, je n'ai pas eu besoin de le dépenser parce que j'ai eu 10 euros de réduction. Et vu que le jeu il est à 10 euros, bah, c'était super. J'ai eu gratuitement, donc je suis très content. Voilà les amis, donc je vous présente le jeu de PS2 que j'ai rentré. Un jeu 555 game, très content. Enfin, j'ai trouvé. Et en plus, le vendeur il m'a dit qu'il n'y a pas très longtemps qu'il a rentré dans leur boutique. Donc j'étais hyper content. Le Radio Hélicoptère, le 2, enfin je le possède dans la collection. Parce que celui-là, j'arrive pas à le trouver. Et je sais, Sony Aventure, il l'avait. Enfin, il s'appelait toujours Sony pour moi. Il l'avait et du coup, bah voilà, moi je l'ai enfin aussi rentré. Un 555 game de plus dans la collection, ça fait plaisir. Voilà, donc là j'ai une nouvelle carte réduction. Voilà, et complet. Voilà, la grosse notice en couleur et le CD. Quelques petits rayures, mais c'est pas ouf. Voilà, donc l'état est très correct. Et voilà, je l'ai eu à 15 euros. Donc je serais content. Un jeu 555 game qui rentre dans le full set. Et je suis hyper content les amis parce que celui-là, bah, je n'arrivais pas à le trouver. Donc je suis très content. Ça m'évite de le trouver. Voilà. Voilà pour le jeu 555 game. Ensuite, j'étais à Retro Gameplay. Alors j'ai rentré de la PS2. Alors j'en ai eu un à 99 centimes, les amis. 99 centimes, c'est trop cool. Voilà, donc celui-là, un petit jeu qui s'appelle le DJ Deck FC Radio FG. Donc celui-là, je vous montre rapidement, 0,99 centimes les amis. Je vous dis pas de bêtises, c'est bien écrit là. Et c'est une version promotionnelle, parce qu'il n'y a pas de notice. Voilà, avec un CD promo, enfin, voilà, d'époque. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Et en plus, il n'a jamais été... Il a été rarement joué, on va dire, ça se voit. Mais franchement, les amis, je suis content celui-là parce que je l'ai eu à 99 centimes. Ce genre de jeu, bon, c'est pas un jeu, c'est un genre de truc de musique où tu crées ta musique, je crois, DJ, je crois. Bon, c'est un jeu de DJ. Et voilà, c'est le but du truc. Moi, je vous montre rapidement les images. Il est en français en plus, donc je suis hyper content pour ce petit jeu. Qui est pas courant, mais voilà, on le voit pas tous les jours, mais il se trouve quand même dans les caches. J'ai quand même vu dans les caches, donc on va dire qu'il est pas, il est méga rare. Il est un tout petit peu, on peut le trouver, mais dans les brocantes, j'ai pas vu encore, mais je suis quand même content. Voilà, mais c'est pas le même. Voilà. Ensuite, les amis, je vous présente un autre jeu parce que je vais avoir un autre jeu bientôt dans un colis. Je sais pas si je mettrai une image pour le jeu que j'aurai plus tard. C'est le prochain jeu que j'aurai, le PS2, ce sera le numéro 1. Donc là, j'ai trouvé le numéro 2, je vais regarder si je ne cours pas. Et c'est cool. Du coup, je l'ai trouvé à... Celui-là, il est à 10 euros, les amis. Voilà, 10 euros. Donc c'est un jeu, ça s'appelle Destroy I Human 2. Donc je possède la version PS3, je crois que c'est le 3 sûrement. Et là, c'est le numéro 2. Donc la jaquette, elle est pas ouf, je vous l'avoue. On voit qu'elle a vécu. Donc voilà. Il est en français. Et pardon, excusez-moi. Par contre, il est complet. Regardez, et je vous montre quand même le prix. 10 euros. Voilà. Il est complet avec sa notice qui est en bon état. Et le CD. Voilà, c'est à peu près. Voilà. Excusez-moi. Désolé, c'est la chaleur qui me donne une petite éternuée. Voilà, et donc voilà, complet et tout, je suis content. 10 euros, ça va, ça passe. Surtout que celui-là, je pense qu'il cote un peu plus. Dites-le moi. Voilà, les amis, bon, ça c'est Retro Gameplay. Voilà, je vais vous présenter la suite de la vidéo version face caméra pour pouvoir vous montrer les cartouches. À toutes. Voilà, les amis, c'est parti pour les présentations. Donc, je vais vous présenter les jeux que j'ai eu de la part de Sierra Gamer. Alors, j'ai trouvé. Alors, il m'a filé une cartouche Mega Drive. Enfin, Mega Genesis. Donc, c'est un jeu style Tetris. Donc, je vais voir si je le garde ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous voulez
si vous voulez à l'échange. Parce que moi à la base je cherche pas du loot sauf un seul jeu. J'ai fait une exception parce que les jeux, je vous expliquerai après. Alors du coup celui-là, il me le faisait à 5 euros. Je crois que c'était correct. En super bon état, 5 euros. Je trouve que c'était nickel. Donc ça fait un très bon prix pour un petit jeu. Bon celui-là, je sais que ça passe, les Genesis. Donc contactez-moi si vous êtes intéressé. Je vous mettrai une annonce. Parce que celui-là, bah, je ne vais pas le garder. Au pire, je préfère le trouver en boîte. Voilà, celui-là. Parce que c'est faisable. Après, le deuxième jeu, bon, je sais pas s'il marche. J'ai testé, mais j'arrive pas à l'allumer. Mais j'ai testé avec l'adaptateur. Donc, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Apparemment, c'est un jeu de combat. Donc, c'est un jeu Famicom. Donc, c'est un jeu de combat. Apparemment, ça s'appelle le Del Sense. Bon, je sais pas. J'arrive pas à le faire fonctionner. Et pourtant, Serger Gamer m'a dit que ça passe. Avec l'adaptateur américaine, là où on pouvait mettre les jeux américains. Donc dites-le moi si c'est dans les commentaires, si c'est vraiment la vérité ou pas. Si ça passe dans l'adaptateur où on peut mettre les deux cartouches, dites-le moi dans les commentaires. Donc celui-là, il me le faisait à 5 euros. Voilà. Je l'ai nettoyé. Après, j'arrive pas à le faire fonctionner et c'est un peu galère. Après, je comprends que les compositeurs sont un peu... Ils sont pas ouf quoi, donc j'espère que ça passe quand même. Voilà. Bon, 5 euros ça va encore. Je l'ai pris. Mais si vous voulez, n'hésitez pas si vous voulez un échange. Si vraiment j'arrive pas à le faire fonctionner, mais bon. Pour l'instant, je vais le garder. Voilà, ça c'est pour les genres d'échange avec Serger Gamer. Ensuite, les amis, je vous présente le cash. Alors, je vous présente un jeu Super Nintendo que je rends dans la collection. Le jeu qui s'appelle l'Armoni, donc c'est un jeu de voiture par Titus, où on voit Prehistory Man. 5 euros les amis, je trouve que c'était correct. L'état, je sais pas s'il manque, faut que je le teste celui-là. Donc je suis très content les amis, parce que celui-là, je le vois pas souvent, enfin, pas tout le temps, mais voilà, je suis content. Après il faut que je le nettoie, parce que là, la cartouche quand même, là est un peu... Ouais, il y a une sale étiquette dégueulasse dessus. Mais bon, voilà, je sais pas ce que ça vaut ce jeu-là. Donc, bon, je suis content, je l'avais pas dans la collection. Donc c'est fait, et pour pas trop cher, donc c'est nickel. 5 euros, c'est nickel. Et ensuite, une cartouche Game Boy, les amis. J'ai rentré pour 10 euros. Alors que je l'ai vu à 15 euros dans un magasin République. Donc je trouvais que c'était intéressant, mais quand même j'ai trouvé un autre jeu le même, mais aussi à 9 euros aussi, donc 9,99€. Mais c'est bon, je trouve que c'était correct. 10 euros les amis, donc en bon état. Enfin, je trouve qu'il est en bon état. Je sais pas s'il fonctionne, je le testerai tout à l'heure. Voilà, Yugi Bakes, donc c'est un jeu avec un dessin animé. J'ai déjà vu, j'ai connu ce dessin animé là quand j'étais petit, donc je me rappelle plus, mais ça passait à la télé. Donc je suis content. Voilà. Il était à 10 euros, donc très bien. Donc je l'avais pas. Il rentre dans la collection Game Boy. Voilà, ça me fait un de plus. Et le dernier jeu, je vais essayer de vous faire un gameplay, si je peux vous le mettre. J'en ai préparé un. J'ai trouvé un jeu Mega Drive. Bon, c'est pas une vraie cartouche, les amis. C'est une contrefaçon. Enfin, ça a été refait. Ça a été refait en fait. Mais l'avantage, c'est que ça marche. Je l'ai testé, tout ça. J'ai le temps de tester sur ma Mega Drive. Et franchement les amis, je suis hyper content parce que ce jeu-là, il coûte assez cher. Je sais pas s'il coûte, je sais que je regarderai les prix sur internet, mais le magasin m'a dit qu'il coûtait maximum 600 euros, même plus en boîte, en complet, en original. Voilà, il coûte super cher. Mais là les amis, j'ai rentré ça. Voilà les amis, ce que vous connaissez, c'est un jeu de shoot. J'ai un peu testé, il est pas facile. Donc c'est une version, alors normalement, à l'époque, il est sorti qu'au Japon. Donc il n'est jamais sorti chez nous. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai pas hésité, j'ai bien demandé, j'ai posé la question. Et en plus, il passe dans la console. Parce que c'est pas une version japonaise comme les autres cartouches. Donc ça veut dire que c'est bon, c'est la cartouche passe. Donc je suis très content, c'est comme une cartouche, c'est presque la même que celle-là, comme vous voyez. Vous voyez, c'est presque la même. Voilà, l'arrière et tout ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'était intéressant. Et en plus, ça me fait un nouveau shoot, un jeu shoot them up, dans la collection. Et j'ai hâte de vous le montrer. Il faut que je m'entraîne un peu plus sur ce jeu-là. Et puis ça sera nickel. Voilà les amis.
Donc il m'a coûté 10 euros les amis. Et même pas 10 euros. Il était à 10 euros et je l'ai eu gratuit grâce à la carte réduction fidélité. Grâce à cette carte. Et grâce à cette carte, j'ai eu 0 centime les amis pour celui-là. Donc c'était une belle affaire. Grâce à ma carte de réduction, j'ai profité d'aller aller là-bas pour pouvoir. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais dépenser les 10 euros réduction. Et donc, je les ai dépensés. Et je suis très content, les amis. Parce que franchement, celui-là, il est super, ce jeu-là. Et en plus, même s'il n'est pas, c'est pas une vraie cartouche d'origine, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il, c'est un bon jeu. Et il coûte cher en plus. Donc, je vais pas chipoter. Il ira dans la collection Mega Drive. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like pour cette super vidéo achat boutique cash et VG, vite fait on va dire. Et on verra si dimanche je vous fais un VG, je vais voir, il me reste 30 euros. Donc je vais voir ce que je vais prendre et de la monnaie. Donc je vais peut-être retourner en VG demain, dimanche pour moi. Voilà, allez les amis, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.